En marge de la cérémonie de signature de jumelage entre les villes de Rabat et de Libreville, Christian Osuka Raponda, l'édile de la ville de Libreville, a eu des contacts avec des personnalités marocaines, parmi lesquelles le préfet de Rabat, Yves Ghislain Mitumba. En ces jours de travail, et comme l'exigent les us, Rose Christian Osuka Raponda, l'édile de la commune de Libreville, est allée faire ses civilités à Abdelaoufi Lafitte, le wali de la région de Rabat-Salé, Zemmour Zeyar et gouverneur de la préfecture de Rabat. Introduit par le maire de la capitale marocaine et élargi à l'importante délégation gabonaise, l'échange auquel prenait également part l'ambassadeur du Gabon près le Royaume du Maroc a permis d'évoquer les attentes suscitées par le présent jumelage entre Rabat et Libreville. Par la suite, les membres du conseil municipal de Libreville ont été conviés à une séance de travail conduite par les autorités municipales de Rabat. De larges projections commentées sur l'évolution historique de Rabat ont permis à l'assistance d'apprécier le bond qualitatif effectué par la cité ces dernières décennies dans son développement. La ville de Rabat connaîtra les 5 années à venir une dynamique encore plus engagée et soutenue en faveur de la promotion de son rayonnement grâce à un projet d'envergure puisant dans la haute clairvoyance royale. Rabat, qui ambitionne d'être l'une des villes les plus modernes et les plus attractives d'ici 2018, à travers des programmes Rabat Ville Lumière, mais aussi l'Initiative nationale de développement humain, à l'image du pacte social au Gabon et du plan stratégique Gabon émergent. Je suis tellement ravie parce que je constate que l'ambition que prônent nos deux chefs d'État, les illustres Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, et Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc, sont quasiment les mêmes. Créé en 1912, et situé sur la façade atlantique au nord-ouest du Maroc, Rabat est le résultat d'un dialogue fructueux entre le passé arabo-musulman et le modernisme occidental. Capitale politique du royaume, la cité compte près de 700 000 habitants et est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012. Mais ici, c'est bon.